Bonjour et bienvenue à la bibliothèque pour découvrir les sorties non-fiction du mois de novembre pour le Non-Fiction November. The Handmaid's Tale, Psychology, Seeing of Red, de Travis Langley et Wynne Goodfriend. Comment rester fidèle à soi-même en temps de crise ? Où trouver la force de résister face à l'oppression? Quand le pire de la nature humaine finira-t-il par céder face au meilleur? Le roman dystopique de Margaret Atwood, La Servante écarlate, captive les lecteurs depuis 4 décennies et continue de susciter débats et controverses, notamment à travers l'adaptation en série. Ce récit est devenu un avertissement qui inspire à la fois crainte et espoir. The Handmaid's Tale Psychology Seeing of Red explore la psychologie des personnages et des événements dans les différentes versions de l'œuvre d'Atwood, en livre comme à l'écran. Psychologue et thérapeute analysent l'histoire en profondeur, aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel, pour en révéler les vérités humaines sous-jacentes. Parmi les thèmes abordés, l'oppression, la résistance, le pouvoir, l'identité, la violence, le stress post-traumatique et la croissance post-traumatique, le bien contre le mal, la morale contre la moralité, la spiritualité contre la religion, l'impuissance contre l'espoir et bien d'autres encore. Ça fait 368 pages et sa publication est prévue le 5 novembre 2024. The Mysterious Case of the Victorian Female Detective, de Sarah Lodge. De Wilkie Collins aux aventures de Sherlock Holmes, l'image traditionnelle du détective victorien est celle d'un homme. Peu de gens savent pourtant que des détectives féminines enquêtaient également dans la Grande-Bretagne victorienne, travaillant aux côtés de la police ou pour des agences privées qu'elles dirigeaient parfois elles-mêmes. Sarah Lodge remet en lumière les vies de ces femmes oubliées et révèle le rôle sensationnel des détectives féminines fictives dans les mélodrames et la littérature populaire de l'époque, captivant le public par le spectacle de ces héroïnes déguisées, prêtes à en découdre pour triompher de séducteurs, de cambrioleurs et de meurtriers. Comment le travail moralement ambigu de véritables détectives, parfois payés pour trahir d'autres femmes, se compare-t-il aux exploits de leurs homologues fictives qui finissent toujours par sauver la situation? Le livre de Lodge nous plonge dans le monde obscur de la société victorienne des deux côtés de l'Atlantique, révélant la détective féminine à la fois comme une travailleuse méconnue et une icône féministe. Ça fait 384 pages et sa publication est prévue le 5 novembre 2024. Believe, the untold story behind Ted Lasso, the show that kicked its way into our hearts, de Jeremy Egner. Lorsque Ted Lasso est diffusé pour la première fois en 2020, personne, y compris ceux qui avaient travaillé dessus, ne pouvait imaginer comment une série inspirée par une publicité centrée sur le football, avec en vedette un gentil moustachu et portée par des acteurs peu connus, serait accueillie. Aujourd'hui, avec 11 Emmy et un Peabody Award, il est évident que le statut de la série en tant que phénomène de la culture pop est bien établi. Dans Believe, le journaliste Jeremy Egner s'appuie sur des dizaines d'interviews avec les acteurs principaux, les créateurs et d'autres contributeurs pour emmener les lecteurs du tout premier spot publicitaire humoristique de la première ligue de NBC jusqu'à la présentation du projet aux dirigeants d'Apple, en passant par la Writer's Room, le casting international et les décors inoubliables de la série. Ça fait 368 pages et sa publication est prévue le 12 novembre 2024. Black, Queer and Untold, A New Archive of Designers, Artists and Trailblazers, de John Key. Ayant grandi à Seal en Alabama en tant que jeune noir et queer, puis étudiant à la Rhode Island School of Design, John Key a ressenti un manque profond de représentation de son identité dans les domaines de l'art et du design. Lors des conférences, critiques et lectures, il peinait à trouver des modèles qui croisaient son vécu ou le comprenaient. Il a donc commencé à se poser des questions. Que signifie être un graphiste avec son point de vue unique? Que signifie être un graphiste noir, un graphiste queer, quelqu'un venant du Sud? Son identité pouvait-elle s'exprimer à travers une affiche ou un livre? Comment pourrait-on archiver l'identité dans un canon de design qui a souvent effacé les contributions de créateurs non blancs, non hétérosexuels et non masculins? Dans Black, Queer and Untold, le designer et artiste acclamé John Key répond à ces questions et crée le livre qu'il et tant d'autres auraient aimé avoir durant leur début.
Il rend hommage aux designers, artistes et personnalités extraordinaires qui l'ont précédé, leur offrant une scène pérenne et respectueuse, et nous livre ainsi un ouvrage qui prend immédiatement sa place dans le canon des arts créatifs. Ça fait 448 pages et sa publication est prévue le 19 novembre 2024. Is anyone listening what animals are saying to each other and to us? De Denise L. Herzing. Par une chercheuse de premier plan en communication des dauphins, voici une exploration profonde des nombreuses façons dont les espèces animales communiquent avec leurs semblables, les espèces voisines et même avec nous. Si vous pouviez poser une question à un dauphin, que lui demanderiez-vous? Et que pourrait-il bien vous demander? Depuis 40 ans, la chercheuse et autrice Denise L. Herzing explore ces questions et d'autres autour de la communication des mammifères marins. Dans ce livre, accessible et riche en informations, Is Anyone Listening? Herzing plonge dans les fascinantes réalités de la communication interespèce, une capacité que les humains ne possèdent pas encore. Ce livre relie les recherches sur la communication des dauphins aux découvertes de pionniers comme Jane Goodall pour les chimpanzés, Diane Fossé pour les gorilles de montagne et Cynthia Moss pour les éléphants africains. Herzing met en lumière des indices captivants de langage chez les espèces non humaines, y compris des structures linguistiques, des équivalents de voyelles et des séquences complexes répétées. En explorant la façon dont les animaux utilisent et manipulent les signaux, nous comprenons que nous ne faisons qu'effleurer la diversité de l'intelligence animale et les aspects subtils et complexes de leur communication. Ça fait 232 pages et sa publication est prévue le 14 novembre 2024. J'espère que vous aurez pu trouver un livre à votre goût dans cette sélection. À bientôt et lisez des livres en anglais.